c'était des cahiers youtubeurs. Donc voilà, aujourd'hui je suis en compagnie de Tar770 qui est à côté de moi. Wesh les potos. Donc tout simplement aujourd'hui on va vous montrer un petit glitch que j'ai trouvé moi-même. Donc c'est un peu une exclue parce que c'est vrai que personne n'aurait songé à trouver ce glitch. Donc comme vous le savez, dans la mise à jour des bikers, quand vous êtes président d'un club et que vous avez un ami à vous ou quelqu'un qui est dans votre groupe, vous allez dans gérer le club, vous allez dans formation. Alors, ah oui, bah, vous devez être à moto. Vous allez ça marchera que en moto. Donc vous mettez formation, vous mettez soit avant ou soit formation libre. Donc après vous acceptez, voilà. Donc normalement là autour de moi, vous le voyez, il y a un petit cercle qui est autour de moi en fait. Et tout simplement bah, c'est un peu comme comme en étant PDG. En fait vous voyez là, ça marque formation active. Ça veut dire que dès que votre ami ou votre partenaire est à côté, regardez, je vous montrerai bien comme quoi c'est le Fagio non amélioré, qu'il n'y a aucune amélioration et que c'est celui de mon pote Tar. Donc regardez, le Fagio, on est d'accord, quand il n'est pas amélioré, c'est un scooter qui va pas aller du tout vite. Attends, Tar, viens, on va aller là sur la piste d'Adresal. C'est un scooter qui va vraiment pas vite du tout. Et en fait, avec la formation, regardez, la formation, elle vous sert... Merde, je suis allé trop vite. La formation, en fait, elle sert... hop, là, dès que je vais accélérer, vous voyez, le Fagio, il va accélérer, alors que là, il n'a pas de boost, il n'a pas été amélioré. Maintenant... je vais vous montrer un... Voilà, regardez, déjà, là, on est en vitesse max. Hein, donc, le Fagio, vous voyez déjà bien. Regardez, si je freine, il freine. Si j'accélère, tant qu'il restera dans le rond, si j'accélère, le Fagio accélère. Donc, jusque-là, tout va bien, tout ça. Donc, voilà, vous voyez, donc là, ça marche aussi bien comme avant. Maintenant, je vais vous remontrer dans le sens contraire. Regardez. Alors, par contre, il vous faut l'électro, donc c'est la moto des braquages. Donc vous prenez votre électro, vous mettez président, vous mettez la fonction et de là vous accélérez à fond. Et dès que vous mettez le turbo, regardez le Fagio à la vitesse qui me suit. Donc ça vous fait vraiment un glitch tout simplement de vitesse. Et ça marche avec n'importe quelle moto, quad ou n'importe tout ce qui est les motos en fait tout simplement. Donc regardez, maintenant on va repartir dans le sens contraire pour que je vous montre. Et donc regardez. Pour vous montrer vite fait, attends, j'ai juste emprunté ton... Regardez, hein, pour bien vous montrer, Tar, si tu peux m'ouvrir ton scooter. Regardez, je vais vous montrer, c'est bien le scooter de Tar, donc il n'est pas amélioré, rien du tout. Comme vous voyez, les phares sont normaux, il est acheté, regardez. La vitesse, vous voyez, il va pas plus vite que ça. D'origine. Je veux dire, il est d'origine, le moteur, il n'y a aucun moteur dessus. Je veux dire, vous pouvez accélérer autant que vous voulez, vous irez pas plus vite avec ça. Donc je veux dire, c'est vraiment le scooter d'origine pour bien vous montrer. Regardez, je vais même demander alors à mon pote Alpha qui est dans la session mais qui n'est pas avec nous dans le chat party, donc il m'entendra pas. Donc j'espère qu'il va le comprendre, mais qu'il va monter sur sa moto et qu'il va nous suivre. Et donc regardez, même Alpha, je pense qu'il a compris, il va nous suivre. Regardez, je vais accélérer à fond. Donc on va essayer d'attendre qu'Alpha soit dans le cercle aussi. Voilà, donc Alpha est aussi là. Donc regardez, même le Fagio arrive à me rattraper. Maintenant je mets le turbo et donc voilà, c'est un glitch en fait tout simplement. D'effet turbo, vous voyez même là, Alpha on a réussi à le semer. Et donc franchement, je trouve que c'est vraiment... Alors c'est pas tellement un glitch, mais c'est vraiment une astuce énorme. Donc c'est vrai que là, son Fagio à Tar n'est pas amélioré, donc vous pouvez faire ça avec les quads de la nouvelle mise à jour, avec tout ce qui est les motos, tout ça. Et donc vous voyez, même le Fagio, là, limite, il va me dépasser ma électro. Donc c'est vraiment pour vous montrer un glitch tout simplement de vitesse, de turbo tout simplement. Donc voilà, sur ce, la vidéo touche à sa fin. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en compagnie de Tar et de Alpha qui nous aura rejoint juste après. Donc voilà, moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos de glitch. Et ciao tout le monde les amis.